l'habitation. Oula, ça bouge là. L'habitation Clément. L'habitation Clément. L'habitation Clems. L'habitation Clems. Chez Clems. Pour avoir. La Rome. Qui met un quart d'heure avec sa phrase. Pour voir un peu le Rome, comment ça se passe, tu vois. Et ensuite, on va au Airbnb à Sainte-Marie, récupérer les clés et s'installer pour 3 nuits. Avec mon gros bras, on dirait que j'ai 40 ans. De m'étaler la gueule, mais une chute. En fait, je me suis pris une branche dans l'IEP en descendant. Et je me suis fait mal, je rigole, mais j'ai mal à la jambe quand même. Mais en fait, je me suis tolée quoi, la honte. La honte de ouf. En fait, ça me fait mal quand même, ça me pique. Hein. Oh, regardez l'état de ma jambe. Bref, faites attention quand vous marchez. Hein. Les tonneaux, en fait, c'est la partie où ils font vieillir le rhum. Et vous avez même vu ce que j'ai montré juste avant, c'est une canne à sucre. Donc, qui est en fait pour créer du rhum, of course. La maison que je viens de visiter, c'est la maison de Clément, le monsieur qui gérait toute la plantation, la distillerie de rhum. C'était lui qui faisait. Et la maison est trop trop belle. Ça fait vraiment à l'ancienne, quoi, évidemment, mais en fait, là, c'est la maison principale, vous voyez derrière, là. Ça, c'est sa maison principale. Et là, il y a sa petite cuisine ici. C'est beau, hein. C'est trop joli. Qu'est-ce que tu fous? Alors, c'est marqué. T'as signé quoi? Mamie, la visite distise les Bretons. J'adore, t'as mis quoi toi? Magnifique, bisous. Tu t'appelles Brigitte? Je vais te signer. Brigitte, tu mets? Brigitte. Oh, j'adore. Hop. Super là. Ma belle. Tu ne te rappelles pas de moi avec ça? Et maintenant, après avoir visité l'habitation Clément, on va boire du rhum. On va boire? Ouais, okay. Allez, on va boire du rhum. Mais je conduis, c'est vrai. Je peux pas trop boire, mais. L'alcool, c'est dans la tête, hein. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau, frère. Regardez les fleurs. Je parle de moi. Oui, bon, c'est usant de partir avec elle. Elle ramène tout à elle. Coquinette, va. Pina, il est fort. Il est trop bon. Bah allez, moi j'aime la vie. Non, je disais, on est arrivé à Sainte-Marie. Là, vous êtes posé dans le Airbnb. Le Airbnb est immense, je vais vous montrer. Il est situé en haut d'une petite montagne et tout. Je vous montrerai les photos, enfin les vidéos demain matin. Parce que là, il fait nuit. Par contre, on est un peu loin du centre parce que la route, elle est. J'ai des boutons aussi partout, ça me gratte, c'est noir. La route, elle est barrée. Du coup, on doit faire tout un tour. On est du coup à presque 15 minutes du centre, ce qui n'est pas hyper pratique, mais. Et bon, c'est pas grave. Là, je pense qu'on va sortir, je sais pas si on va sortir manger ou quoi, mais je pense. Demain, je sais pas encore ce qu'on fait. De toute façon, je vous emmène, hein, comme d'habitude, c'est un peu YOLO, vous connaissez. Je sais combien ça se passe ici, hein.
Tu connais. Je vais faire un round tour. C'est parti. Ici, vous avez notre chambre. Voilà, sympa. Le salon. Ici, la grande cuisine, petite machine à laver, tout ça. Et là-bas, c'est la salle de bain, mais il y a Camille qui se lave. Donc, je vais pas y aller quand même. Je respecte sa vie intime. Moi, je vais tester le matelas, attendez. Oula. Oh, je vais rester là. Ça m'avait grave manqué de vlogger. Je suis trop contente même de voyager tout court avec le Covid, franchement. Mais je me dis vraiment, la vie sans Covid, c'est quand même incroyable. Ici, il faut savoir qu'on porte très peu le masque, à part dans les restaurants et dans les commerces. Le reste, on est en plein air hyper souvent. Enfin, la plage, voilà, on ne porte pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le Covid, quoi. Enfin, c'est ouf. J'ai l'impression qu'on est dans une faille spatio-temporelle. J'ai l'impression d'être de retour en 2019, en fait. Donc vivement que tout ça, ça se finisse. Même si je pense que pour 2021, on va y avoir droit. Qui se rappelle, en 2020, là, quand je faisais mon vlog à Zanzibar, où je disais « Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas le Covid. » Bah, MDR. Regarde-nous, en 2021, on y est toujours. Il faut toujours être positif. Moi, j'ai de la chance de voyager. Enfin, en tout cas, on a eu de la chance avec Camille de pouvoir partir, puisque notre situation le permet. Et surtout, on est parti à temps avant qu'il y ait les mesures, notamment l'isolement à l'arrivée en Martinique, que nous, on y a échappé, vu qu'on est arrivé deux jours avant la mise en place de cette mesure. Mais du coup, alors, on sait qu'on est hyper privilégiés, on est grave chanceuses, et on a grave géré notre timing. Et je pense qu'on va pas pouvoir revoyager de sitôt, donc on profite à fond. Et c'est là que je me dis vraiment, la vie d'avant, elle manque trop. Allez, je vous laisse avec la suite. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait soudain? Mais oui, j'attendais la suite là. Ah, tu rentres. Meuf, tu rentres pas dans mes délires. Tu rentres pas dans mes délires. Enfin... Non, ce matin, on part à la presqu'île de la Caravelle. Faire une petite randonnée de 4 km. De 1h30 apparemment. Enfin, normalement, ça dure 1h30. Comme hier, en 12h. Toi, t'es hyper arrogant, je trouve. C'est parti! En fait, c'est la presqu'île de Cap, c'est une presqu'île quoi. Enfin, vous savez ce que c'est une presqu'île? Ouais. Voilà, tu peux faire un dessin. Voilà. C'est au nord-est de la Martinique. Petite falaise et tout à voir, sympathique apparemment, la mer, tout ça. Donc, on va se balader. Allez, on se casse! Allez, en route, les kiffeuses! Tchat-tchat! Tchat-tchat! And when they jump so cool, all my people they go jump so cool. Boss man, they go jump so cool. When the bed to the. En tout cas, ça grimpe. Ça grimpe. Non, mais oui, là ça descend, mais il y a eu une montée juste avant. On a eu un peu chaud. C'est mon bonheur, Feli. C'est mon bonheur, Feli. You know the money you take up, police. Me, I the life you can. Supposed to know, say me not be newcomer. So my baby make you no go dollar, no go dollar. When the bed we dey enter body. Ah oui, Camille est tombée. En fait, je pense que tous les jours, il y en a une de nous qui tombe. C'est nickel. Donc là, je sais pas trop où on va. En fait, on cherche le parking pour rentrer. Vraiment, j'en peux plus là. Non, parce que je me filme vraiment sous mes meilleurs angles. Cette caméra, je suis toujours dégueulasse, genre. Toi, tu sais te mettre en valeur. Ah, je sais me mettre en valeur, je me filme toujours. Ouais, y'a un tsunami ou quoi? C'est du boucan là à la plage. Là, on est à la plage après avoir fait 8 km ce matin. On se repose, j'ai fait une petite sieste et tout, je suis tombée. On se repose comme si, genre. On le fait pas. Petit gars, rien. Et là, on est en train de se tâter pour rester en fait un peu plus longtemps en Martinique. On est en train de se tâter alors qu'on a déjà pris les billets. Non, maintenant c'est pas validé encore, mais on se tâte très fort. Et qu'on est grosse kiffeuse quand même. Et kiffeuse dit mode de vie du kiff et dit qu'il faut rester en Martinique quoi. Et demain, on va faire du bateau, encore une fois. On est trop contente. On va voir la baignoire Joséphine, enfin les fonds blancs. Donc en fait, on se baladera en bateau tout le long de la côte est de la Martinique. On vient de rentrer et je voulais vous montrer la vue qu'on a depuis notre Airbnb. On est dans une maison
Dans Airbnb, les gérants habitent au-dessus et nous, dans le sous-sol, enfin dans le sous-sol, au rez-de-chaussée, au sous-sol, je suis con, au rez-de-chaussée. Et en fait, on se gare là, vous voyez. Et hop, il y a la vue comme ça sur la montagne. Et là-bas, c'est la mer. Voilà, c'est trop beau, trop bien sur Airbnb. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si un jour ça vous intéresse. Voilà. Angelina, you dey cool my temperature. If you call, I go con deliver. I no go fall in your hand never. So na me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, with my Angelina. Oh, me adore. Bon, je vous retrouve ici à Paris parce qu'en fait, sur la plupart des rushs qui devaient suivre, j'ai des problèmes de son et en fait, je vous expliquais un peu la situation. C'est pour ça que je refais une petite vidéo. Pas du tout la même tête, pas du tout la même dégaine, pas du tout le même décor, mais c'est pas grave. Ce que vous venez de voir, c'est la plage Tombolo avec l'île Sainte-Marie juste en face. Donc c'est une plage où il y a la mer qui passe des deux côtés. C'est super impressionnant à voir. Et vous pouvez visiter ensuite l'îlet. Voilà, vous vous baladez sur l'îlet qui est tout petit. Hein. Ça se fait en une demi-heure et c'est super joli à voir. Voilà. Et c'est ici que se termine ce vlog à Sainte-Marie. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Cette fois-ci, encore un petit peu à Sainte-Marie, mais à Saint-Pierre avec... ce sera les derniers jours en fait en Martinique. Ce sera le dernier vlog en Martinique déjà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé. Je vous fais des bisous. Bye.